1, 2. Eh bien, rebonsoir les Twitchos et rebonsoir les Twitchas. Pour ceux qui étaient là, et vous étiez vraiment très peu nombreux, j'ai fait un petit stream de peut-être 1 heure dans la soirée sur GTA 4 et il y a eu un petit bug. Un petit bug. Et ça fait bugger le stream tout simplement. Donc j'ai décidé de restreamer sur Skyrim, un bon vieux Skyrim. Alors les enfants, ça sert, on s'amuse. Papa dit que je ne reverrai jamais. Moi je croyais que les aventuriers, ça avait l'air coriace. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Attends, je vais te fracasser la gueule à coups de morse. Non, on s'en fout. Allez, donc on restream. Parce que j'en ai envie. Excusez-moi. Tout bonnement. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes en compagnie de votre streamer préféré. De loin, l'élite de l'élite. Le susnommé Marvin Schrödinger. N'hésitez pas à me follow de part et d'autre d'Internet sous ce même ce pseudonyme. Sous ce même pseudonyme. Enfin voilà, on va. Ah oui, c'est vrai, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, fais voir. 263 sur 365. Ok. Ça va pour le moment, en termes de siège du Talmor. Je visite un peu. J'ai jamais réellement visité ces lieux. C'est plutôt sympa, c'est coquet. Ouh, c'est quoi ça? Attends, attends, attends. Loupé. Ouais, il manque un polygone ici, Bethesda. Hein? Vous serez sympa de le mettre. Merci. Bon, y a rien ici. On est où là? Ok. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est déjà boire une petite goulée du rafraîchissement que j'ai en ma possession. Et aller dans carte. Allez. Voir les Hmal du haut, les grises barbes, hein. Tout simplement pour partir à la recherche des le niveau de charge de matos, on s'en fout, pour partir à la recherche de mots draconiques pour étoffer notre dictionnaire de la langue draconique. Hein, pour les tombes, pour. Enfin, voilà quoi. Enfin, vous m'avez compris. Ça fait des petites quêtes assez sympas à trouver et assez sympas à faire. Dernièrement, on en a fait une qui a duré plutôt longtemps. Hein, on est d'accord? D'ailleurs, eux, ils sont où ces cons? Ah, bah, il est 1 heure du mat. Ils sont en train de roupiller ces bandes de cons, ces bandes de vieux, de boomers quoi. 7 heures du mat, c'est bon, vous êtes réveillés? Alors, on est réveillé? Lui, à chaque fois que tu lui parles, on dirait qu'il balance un pet, il y a tout qui tremble. Non, non, mais attends. À un moment donné. Oh, je regardais le reflet sur le sol. Alors, il est où le. Ah! Du coup, ils sont quatre. Ah, voilà! C'est Arnière, c'est vrai. Pourquoi les dragons sont-ils de retour? Oh, vous avez localisé. Hop. Nous avons ressenti le souffle d'un mot. Arrête. Donnez-moi votre carte et je vous montrerai où y trouver l'écho. Trouver le mot de maison, bastion. Puissance de ce donjon, bastion d'hurlement. Et ce qui est bien Le vent. avec ces quêtes, bah, c'est que tu vas avoir tous les. Enfin, c'est que tu peux trouver. Tous les mots de puissance, comme ils disent. Les mots de puissance. Parce que c'est la puissance, tout ça. Oh putain, je croyais que c'était une banane. Et. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Après, on a tous les mots. Ah, attends, furie. Furie élémentaire, c'est quoi? Putain, j'ai 8 âmes de dragon. Bah, bon Dieu, j'en ai buté du lézard. Hein. Le Touhoum donne.
à votre bras la vitesse du vent et vous permet de frapper à un rythme plus soutenu. Ouh, ben d'y voir. Déverrouiller. Mais je déverrouille, moi, ça. Ok. Ah, merde. J'étais où? Ah. Ouh, lui. Plonge en avant et vous transporte comme une tempête furieuse. Pas d'ivoire. Qu'est-ce que j'ai qui est pas déverrouillé? Bah, tout est déverrouillé. Ok. Et bah, pour le moment, on va faire quelques quêtes pour trouver des... Hein? Bon. Pour trouver des mots de la langue... Oula, oh, je... J'essaie de régler mon micro. Voilà, on est bon. Donc, pour le moment, on va essayer de trouver des mots de la langue draconique. Vide, ouais, ok, d'accord. Essayer de faire 2-3 quêtes comme ça. Attends, j'essaie de voir où est-ce que... Ah, ça se situe là. Oh, c'est quoi ça? Trouver les mots, ouais, bah c'est ça. On va aller à Farkhrar et on va y aller à Pat jusqu'à là-bas. Eh oui. Eh ben c'est parti. Petite goulée de mon rafraîchissement. Oh putain, enculé de dragoon. Non. Ah, écoute. Allez, on va à Hagra. Allez, viens là, tête de chibron. J'aime bien quand il attaque des villages parce que tout le monde s'y met pour le tuer. Non, je vais pas buter la chef parce que sinon on va m'attaquer. Attends, il attaque qui là? Il y a qui là-haut? Y'a qui là-haut? Pourquoi il attaque les gens là-haut? Attends, on fait voir. Je vais dans cette direction. Ouais, non. Ok. Alors, il est où ce con? Il doit avoir des trucs là-haut. Allez, viens, c'est bon, t'as tué tout le monde là-haut. Bah, on va aller voir ce qui se passait là-haut. Qui est-ce qu'il y avait là-haut? Une fois qu'on l'aura buté. Yeah, attends. Yeah. Y'a qui là-haut? Qui est-ce que t'attaques, dragon? Qui est-ce que t'attaques? Ouais. On va attendre de le buter, en fait. Non, on va attendre de le buter. Butez-le! Je me demande si je fais rien et que les autres le butent, est-ce que je vais quand même récupérer son arme? Ah, oh, je peux pas le taper là. Putain, mais il doit avoir des trucs. Je sais pas, il y a un deuxième dragon là-haut. Et toi, tu prends rien, toi, madame? Bonjour. Par les eaux de. Je peux vous aider? C'est moi qui essaye de draguer une gueusesse pendant que on se fait attaquer par un dragon. Ah, je l'ai eu. Ouais. Nuit.
Oh, il a disparu. Ça y est, il s'est fait tuer. Attends, il est en train d'y aller, lui. Par où qu'il faut qu'on aille? Non, je pense pas qu'il soit mort, parce que sinon j'aurais récupéré son âme de dragon. Alors on va lui foutre dans le fion à celui-là. D'y voir. D'y voir. Non mais tu mourras pas, hein. Vas-y, continue à crier. Tu mourras pas. Couillon, ouais. Allez, la dernière. Bah. Ah d'accord, ouais, ok. Bon. Bon, du coup, tu tapais qui là? C'était des... Pourquoi t'as fait du mal à la demoiselle? Merde, ça a freeze. Pourquoi ça a freeze? Ça a plus freeze. Jeune vampire. Ah, oh, bah c'était une vampire. T'as eu raison. T'as eu raison de la Khagra. C'est de la merde des vampires. Allez, je prends tout. Ça, j'ai récupéré. Ok, bah c'est... Bah dis donc, t'as eu du mal à buter les vampires quand même, hein. C'est quoi ça? Ah, je dois meurtre. Allez, voilà. C'est bien. Il y a d'autres vampires ou pas? Attends. On va aller vendre tout ça. Enfin, surtout les os de dragon, tout ça, blablabla, blablabla, toi, tu sais. Parcours! Pourquoi tu cours, toi? Alors, dis-moi, boutique de Grispin. Voilà. Prenez votre temps. Oui, je suis t'inquiète. Sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Toi, tu fais sinon, flipper, demandez-moi, je l'aurai peut-être en vous réserve. Vous verrez bien vite que mon frère... Bien le bonjour. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle moi, ça des trésors. J'appelle ça des trésors. Nya, je connais le... Hein. Bon. Alors, les flèches, ça, c'est de la merde. Et taxa, d'accord. Tenue, je m'en fous en règle générale. Ça, je prends. Ok. Non, les gemmes spirituelles, j'en ai masse. Attendez. Je crois que j'ai reçu un message. J'en ai pour 30 secondes. Oui. Instagram. Boum. Ok. C'est qui ça? D'accord. Ok, désolé. Alors, bon. Qu'est-ce que tu as à m'acheter? Qu'est-ce que tu veux bien m'acheter, mon petit? Oui, allons. Ça pèse 15 et ça pèse 10, mais ça vaut moins cher. On va vendre le 15. Hein. Attends, fais voir. 1, 2, 3. Ok. Si vous me volez quoi que ce soit, ta gueule. Je suis à 295. Vous allez le regretter. Ta gueule, putain. Du coup, on va aller voir là-haut, qu'est-ce qui se tramait. Parce que t'es bien gentil. Mais, mis à part deux vampires qui t'ont ragra, ça m'étonnerait que. Hein? Qui t'a enlevé autant de vie. Ah, bah, ils sont tous là. Et regardez. C'est des os de dragon. Regardez ça. Putain, ils ont l'air cons. Ouh, attends, fais voir. J'ai l'impression que... Quand t'es comme ça, ils te regardent plus.
Mais dès que tu les regardes, hop, ils te regardent. T'as vu, ils tournent la tête, bande de cons. Alors, mais j'ai l'impression qu'il était quand même plus haut à un moment donné, le dragon. On va aller voir ça plus haut. Alors, les gueux. Ah, c'est peut-être... Ah non, je crois que c'était là où il fallait que j'aille. Mais en fait, que non. Mais en fait, que non. Hein. Eh oui. Oh là là. Bon. On va pas marcher 107 ans. On va aller vendre le reste des trucs de dragon, là. Les écailles. Je crois qu'il me restait les écailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Blancherive. Vendre tout ce merdier. C'est la nuit. Je déteste la nuit. Ok. Bonjour madame. J'ai des articles de qualité. Ah, on s'en fout. Mais en fait, c'était pas à toi que je voulais parler. À la brosse. Je me suis juste trompé. À faire. Skyrim, c'est vraiment le meilleur jeu, hein. Même en streamant en 2021. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Sinon, parce que j'étais à 4. Regardez donc. Je suis désolé, mais le moteur graphique, j'en sais rien de ce que d'où ça peut venir, mais voilà, ça le fait souvent sauter que là. Potion. Avec Skyrim, il y a rien à faire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça je prends pas. Livre. Non, c'est de la merde. Divers. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais que tu m'achètes. Connasse. Tiens. S'il... Voilà. Faut un remède. On va pouvoir aller chercher le mot draconique. Le mot qu'on cherchait tant. C'est vraiment le meilleur des jeux, je vous jure, hein. Rien à faire, ce jeu, il est... Alors, Draconique. Ouais. Putain, si je retourne à Frachren, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, et qu'il y a encore un dragon, je m'en bats les couilles, je les laisse dans la merde, hein, je me crosse. Démerdez-vous avec le lézard volant, là. Non mais... Ouais. Ça va. Bref. C'est par où? C'est par là? Eh ben c'est parti. Hein. Un dragon a attaqué le bosquet de Keen. Pourquoi? Aucun lieu n'est-il donc sûr? On bat les couilles. Vous n'êtes pas aussi stupide que vous en avez l'air. J'ai dit que vous étiez Jarl autrefois. Oui, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Certains diront que je suis parti à cause de mon grand âge. En vérité, j'ai découvert qu'Épervine était infestée d'espions à la solde de l'Empire. Avec quelques pots de vin bien placés, ils s'achetaient des amis. Tout d'un coup, les nobles ont demandé à changer de Jarl, les poches cliquetantes de ces petits impériaux. Ah, j'avais déjà discuté ils de ça, ils ont fait de moi oui, un Tan, et ont nommé Sijer, mon neveu, à ma place. Sijer? Ah, lui, c'est un véritable allié de Sirodi. Yo, Sijer, c'est pas le personnage principal de... Mesurez vos paroles. Dans ta gueule, dans GTA San Andreas. Yo, CJ, you know what I mean? Bon. Attends. Ouais. Allez. Je crois qu'il faut que qu'on aille dans un endroit, mais je crois que c'est là-bas. Hein. Je suis pas sûr, mais. Dans un sacré foutoir là. Attends d'y voir. Ouais, ça doit faire un zigzagon là. On doit partir par là-bas pour revenir et crac. Enfin bref. Alors d'y voir. C'est par où? Oh, un papillon. Je l'ai pris.
et je le jette directement parce que... Merde, j'ai jeté qu'une aile. Je jette la deuxième aile parce que c'est... Ça fait ça, une aile de papillon quand ça tombe au sol. Tu te fous de ma gueule? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Voilà. Ouais. Ah, par là qu'il faut que je passe. Une charrue. Oh la charrue. Ouais, je pars en charrue, moi. Oui, bah ouais, d'accord. Tu marches sur une charrue et... Rah. Bonjour, messieurs. Non, ça sert à rien de... Relève-toi. Non. Bon, allez, on en a marre de prendre des chemins. On va passer par des endroits, hein, un peu plus, on va dire, inhabituels. Un peu... Ah, bah voilà, regarde le chemin, là. Un spectateur, bienvenue à toi. Ok, j'entends un bruit. Ah, une grenier. Ah, je déteste les greniers. Je suis pas arachnophobe, mais presque. Ah, une petite dernière dans la poire et tiens, marva. Je récupère mes flèches. Saleté. Et là. Putain. Ce jeu est tellement fantastique, bordel. J'adore ce jeu. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que j'aimais ce jeu? Non? Eh ben, j'adore ce jeu. Je crois qu'on arrive dans un endroit où il y a peut-être des ennemis quelconques et variés. Donc, on va y aller accroupi, histoire de faire moins de bruit. Bastion dure le vent. Et oh, que le jeu de mots de merde. Il y a des drogueurs, là. Oh, putain, c'est... D'accord. Depuis quand il y a des drogueurs en extérieur comme ça? D'habitude c'est dans les caves, les... Il m'a fait peur là, elle a tombé, elle a sauté, elle a valdingué, regarde, elle est là. Elle a même traversé la paroi, bordel de merde. Ok, ça m'a l'air d'être... Ok, je suis détecté. Eh merde. Je suis plus détecté. Je suis détecté, d'accord. Comment ça marche? Ok. Est-ce que c'était que je fais un pas, je suis détecté? C'est ça le truc? Je suis plus détecté. C'est un coffre ça? C'est un coffre ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui. Ah, il y a un autre ennemi. Oh. C'était qu'un vulgaire squelette. Avec le vent. Il va valdinguer de l'autre côté de bord de ciel. Ok. Hmm. Pas des petits trucs là, des petites choses. Des machins, des bidules. Regarde. Là, par exemple. Non, il n'y a rien. Bon. Je vous jure, hein, dans ce jeu, faut fouiner de partout. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu. Tu fouines et... Genre, dans un recoin comme par là-bas, eh ben, il peut avoir un coffre, il peut avoir des petites pierres, des petites pierres précieuses, des trucs comme ça, quoi. Donc, écoute. Alors. Je passe par un passage secret, là. Pas censé passer par là, mais je passe. Alors, c'est quoi ça? Non, c'est qu'un vulgaire caillou. On arrive au coffre. El coffretti. Je prends. Ça fait toujours du flouze. Ok. C'était par là qu'il fallait que je passe, non? Alors, on va courir un peu. Un petit coup de breuvage pour me donner de l'aventure, du courage, voilà, c'est ça. Du breuvage pour du courage. Miam, 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 miam. Oui, ah non, ah d'accord, ouais. Oh, une flèche. C'était par là.
C'est ici que j'ai buté l'autre con, là. Alors, il a dû sortir d'ici. Putain, mais depuis quand il y a des drogueurs en extérieur comme ça? Et en plus, ça arrive. Qu'est-ce que je viens de voir, là? Oh mon Dieu, que c'est vilain! Il y a plein de détails comme ça qui sont foireux, par contre, dans ce jeu. Allez, Bastion, dure le vent. C'est parti. Bon. Je regarde les lieux et je me gratte les couilles. Bon. Alors, il y a des drogueurs. Faut être drogueur de merde. Je parie à tous les coups dans cet endroit, il y a des drogueurs et des comment ça s'appelle? Des araignées. Je déteste les araignées. Heureusement. C'est des araignées australiennes. Hein. Vous avez vu la taille, c'est forcément australienne. Attends. C'est pas en Europe qu'on aurait ça. Là, faut que j'enclenche un truc. Qui normalement. Dans le doute. Alors. C'est quoi ça? 25. Ouh. Espadon. Attends, mais c'est qui vaut cher le con? Et combien qu'il pèse aussi? Espadon, 18. 570, les créatures et les personnages de niveau 13 et inférieur fuient le combat pendant 30 secondes. Bah bon Dieu. Attends, je suis à combien de... 286 sur 3. Ouais, écoute, pour le moment, on va le garder. Pour le moment, faudra pas oublier qu'on a un espadon de merde. Au cas où, si on n'a plus de place. Bon, oui, c'est par là, mais je vais de l'autre côté, parce que j'ai envie de tout fouiller. S'il y a plein d'ennemis, j'ai tous envie de les tuer. Oh, s'il y a une porte ici, attends. En fait, c'est un coup de l'autre côté, c'était juste une pièce. Ah, je commence à connaître la mécanique de ce jeu. Oh, c'est quoi ça? Bonjour. Ça, c'est... Hein? Bon, écoutez. Ouh, ça a l'air sympa par là. Je vois du sang s'asseoir. Oh. Merde, comment on se relève? Ah oui, avec E. C'est vrai. Les cons. Ils sont où les cons? Pas d'ennemis. Quoi? Bah alors? Oh putain! C'est un vampire? Quoi? Attends, il a dit fils de? Comment ça? Tu vois. Qu'une gemme sur assez grande. Bon. Putain, il m'a tapé, c'est un coup, je suis devenu encore une de ces fiottes de vampires. Oh, petit rubis. Ça fait toujours plaisir. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi? Activer. Ah oui. Putain, j'étais juste à... Ah oui. C'est histoire de brûler les gens, quoi. Non, ça désactive pas quand on le réactive. Bon. Écoute, hein. Fais ta vie. Et là. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ça me gratte l'oreille. Bon sang. Hmm.
Alors. Ouh, vous entendez les bruits de squelettes ? Squelettor ? Squeletton ? Ah, ça y est, ils arrivent. C'est la première fois que je vois cet endroit. Si vous voyez un squelette, dites-le moi. Parce que là, j'en vois. Ah ! Petit. Voilà. Petit. Bon. Apparemment, je les ai tous ragra, je dirais. Ou presque. Ok, celui-là il a disparu, mais il y a de grandes chances qu'il soit encore près de moi. Mais c'est la première fois que je vois cet endroit, mais c'est dingue ça, dis donc. Mais en fait, je crois que je suis en train de faire les meilleures quêtes de tout Skyrim que j'ai jamais fait. En fait. Non, sérieux, J'avais jamais eu l'idée de retourner voir les Grises Barbes pour leur demander est-ce que vous auriez. Est-ce que vous auriez. Oh putain, ça c'est moche par contre. Est-ce que vous auriez vu. Est-ce que vous savez où se trouvent d'autres mots de la langue draconique? Et sérieux, Bethesda, vous êtes sérieux avec ça là? Là je bouge pas, mais dès que je bouge d'un pixel. Hop. Bon bref, on s'en fout. Et en fait, ils ont pas collé les. J'essaie de comprendre ce bug de. Ils ont dû. Ça c'est un coup. Ils ont mal collé les polygones entre eux. Enfin bref. Ils les ont superposés un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Bref. C'est forcément c'est deux polygones superposés ça. Forcément. J'ai fait un peu de 3D. Alors on va le fouiller celui-là. Gemme spirituelle. Et où le problème? Oula, il est là le problème, je crois. Enfin, un petit truc là, un petit coffre, non? J'aime bien ces endroits comme ça. Je pourrais rester des heures à contempler, à voir s'il y a des ennemis quelque part. Franchement, s'il y a que des squelettes, mais moi je te les. Ouais, vas-y, hein, go. Bah oui. Ouh, ça, tu sais ce que c'est, ça? Bah, maintenant, tu commences à comprendre ce que c'est, ça. Ah, en plus, c'était derrière. Putain, c'est filou, ça. T'y voir, ça, c'est... C'est filou. Oui. Pourquoi ça a changé de luminosité? Tout à l'heure, c'était plus clair, maintenant, c'est... Bon, écoute, hein, on va continuer à avancer, tant bien que mal. Ah, bonjour monsieur, c'est pour le recensement. Voilà, moins un. Non, il a pas d'or celui-là. C'est un con. C'est parce qu'il est con qu'il a pas d'or. C'est très joli. J'aime beaucoup ce genre de d'ambiance comme ça, avec ce drapeau qui bouge au vent, la lumière, les constructions comme ça là, de pierre, l'humidité, les bleus. J'aime bien. Voilà, c'est tout. Ouais, quoi, c'est quoi qui. Qu'est-ce qui est apparu? Hein? À un moment, je pouvais faire une action, non? Ah, je l'ai eu. Il y a eu une... Ah, mousse barbu, d'accord, ok. Tout ça pour ça. Eh ben, d'y voir. Merde, j'allais dans quelle direction? J'allais par là. Hop.
pas des... Oh, bah tiens, regarde. Bonjour, monsieur. C'est pour le recensement. Ok. D'accord. Ça se passe comme ça. Allez, y'en a d'autres! Y'en a d'autres! Vous voulez jouer? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? What is the noise? What is the noise? Squelette, c'est de la merde. Et lui là, il a rien. Bonjour! Merde! Merde, c'est pas, c'est, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà, les PD. On va me taper, hein? C'est qui les boss? Enfin, le boss plutôt, du moins de surcroît qui est plus zen aux obstants. Ah! Lingot d'orichalque. La merde. Ok, tout ça pour ça. Enfin, il y a quand même un. Ah, lui. Ok. Hein? Ok, il y en a. Il y a trois. Ok, attends. Attends. Bah, c'était pas difficile, hein. 500, c'est de la merde. Ça je prends. Ok. Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Ah d'accord, ça ouvrait un truc. Et si, et... Ah bonjour. D'ivoire. Mais c'est très beau, hein. Moi j'aime bien. Et vous? Alors, c'est la première fois que je vois un endroit comme ça. Enfin, la première fois que je vois un endroit. Si, ouais, c'est la première fois que je vois un endroit comme ça dans. Ah oui. Dans Skyrim. Ils ont bien travaillé le truc. C'est quoi ça? Voyons. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Oh, j'avais juste envie de le faire, quoi. Des fois, on fait des choses, on peut pas les expliquer. Écoute. On arrête de m'emmerder. Et je vais aller pisser.
Bonjour, il est 1h du matin. Allez, on reprend. Par contre, les taches de sang, là... Non, parce que je contemplais quand même les graphismes de ce jeu. Ils sont très beaux. Bon. Ça, j'ai pas fouillé. Ça, je prends. Faut fouiller toutes les urnes dans ces endroits, là. Et tête de mort, c'est quoi ça? Ça, c'est encore des... C'est encore des tafioles qui ont des préceptes quelconques de merde. Ah d'accord, oui, je suis arrivé par là. Ok, c'était pour... bon, écoute. Forcément, là, il y a des drogueurs. Ça pue le drogueur, là. Là, moi, je te le dis, ça pue le drogueur. Ouais. Peut-être que je me trompe, hein. Je sais pas. Oh, il y a des cercueils, maintenant. Des cercueils vides. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, ça veut dire qu'on peut lâcher des caisses comme on veut. Alors, j'aime bien ce brouillard dans les grottes comme ça. Oh, ça a changé de... Regarde, regarde. Là, je vais reculer un peu. Tu vois? Ça change de... luminosité, de colorimétrie. Il y avait du brouillard, il n'y en a plus. Ah, mais j'arrive là. Ah, d'accord. Waouh, c'est fichtrement bien foutu. Eh, lui, c'est vrai, je l'ai buté. Ah, je te prends les flèches nordiques, t'es de con. J'ai buté tous tes potes là-haut. Est-ce que t'en as là en bas? Ça, c'est quoi ça? C'est un tapis pour faire les prières musulmanes, c'est ça? La Mecque, c'est de quel côté? C'est de ce côté ou de celui-là? Ok. Bon. Alors, les flèches. Je prends toujours les flèches. Parce que tu peux toujours les vendre et te faire quelques pièces d'or. Hein. Attends, fais voir combien j'en ai avec c'est quoi ces flèches que j'ai là. C'est, enfin, ce que je viens de prendre. C'était les flèches. Voilà. J'en ai 161. Bah, si tu les vends à une pièce d'or... un septime par pièce, bah ça te fait 161 septimes. Ça on fait, hein, de la pute de luxe. Ça, je l'ai déjà fouillé. D'accord. Je suis en train de... quand je fouille ça, le son apparaît via la cage thoracique qui est là. Écoutez. Le son est plus à gauche qu'à droite. Oh, on s'en fout. Et pourquoi ça s'arrête pas de bouger, ça? Tiens, mais c'est mignon. Tiens, moi, je vais tout mettre mes pétuards. D'accord. Bon. Ah. On récupère la flèche. La flèche merdique. Ah, défaut de dire la flèche nordique. Putain, je suis vraiment le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, on prie en direction de la Mecque. Non, mais du coup, c'est par où? Pour la petite anecdote, si vous vous trouvez dans un pays... de type dans un pays musulman, hein, tout simplement. Si vous êtes dans un hôtel et que vous êtes vous-même musulman, ouvrez. Par exemple, vous avez les tables de chevet ou les tables de nuit qui se trouvent à côté du lit. Vous ouvrez le tiroir et dans le tiroir, vous avez une sorte de petite pastille qui montre la direction de la Mecque. Eh oui. Bon, maintenant il y a Google Maps, mais et surtout la géolocalisation. Donc où que vous soyez, vous pouvez savoir. Bah, et pour petite info, la Mecque, c'est en Arabie Saoudite. Voilà. Alors attends, on va aller voir ça d'abord avant d'actionner la petite truc. Ah merde! Ok. Bon, il n'y a pas grand chose en fait là-bas. Enfin, ah, si, il y a des trucs, mais bon. J'imagine ça, c'est pour ouvrir le. Ah non! D'accord, c'est tout? Bon.
Ok. Putain, je t'en ai buté deux comme ça. Ah, j'aime bien les squelettes. J'adore les squelettes par contre. Parce que pour les buter, y a rien de mieux. Une flèche dans le fion et on n'en parle plus. Et avec tous ces cercueils vides, j'ai... Ah, par contre, ça, Bethesda, vous avez foiré, hein. La collision, la mécanique des fluides, j'en sais rien. Ah, quoi. Voilà. Oh, your Bethesda. Oh, il y a un petit cercueil, là. Un cercueil vide. Oh, Dieu, excusez-moi, hein, excusez-moi, vous ne voudrez pas, mais... Alors, qu'est-ce que c'est ? Un Ragnar ? Il y en a, ils disent Ragnar. Quand je vois ça, c'est... Un Ragnar. Oh, il a rien. C'est de la merde. J'en suis sûr, dans ce genre de donjon, il y a peut-être un endroit, mais genre planqué au beau milieu de nulle part, genre là, où t'as des rubis ou des... comment ça s'appelle ? Des pierres précieuses qui valent une blinde mais qui sont planquées au beau milieu de part. C'est un coup, les gars qui ont fait ce jeu Bethesda et tout ça, ils ont planqué dans tout bord de ciel mais genre une pierre précieuse qui vaut 1 million de centimes. Je sais pas, et personne ne l'a jamais trouvé en 10 ans. C'est une idée comme ça. Bref, alors, petit breuvage. Alors, les cons, j'aime bien ce genre de petite quête. C'est tellement plus simple que quand il y a des chorus, des chorus. J'ai jamais su comment ça s'appelait. Bonjour mademoiselle. Ok. Oh, attends, c'est quoi ça? H-Orc? Non, c'est de la merde. Bah c'est bien dommage. Oh, un livre sur la tête. Un livre abîmé. C'était une scélérat. Une scélérate. Est-ce qu'on dit scélérate ou scélérat pour les femelles? Je regarde les livres. Allez, c'est un petit truc. Un petit livre. Qui pourrait augmenter mes compétences? C'est personne. Oh, ça va. Maintenant, il y a des humains. Il y a eu des squelettes. Il y a eu des... C'est ça, poupée. C'est ça, poupée. Ton esprit te joue des tours. Merde, j'ai pris une merde, en fait. Attends, tenue. Anneau d'argent, c'est de la merde. Voilà. Alors... Je crois qu'elle doit être par là. Oh putain, encore. Oh, tous les coups, je suis encore devenu. Tiens, en pleine poire. Encore une fois, j'ai dû devenir une saleté de vampire. Je hais les vampires. C'est de la merde. C'est une vulgaire fange, les vampires. C'est quoi sa valeur? Armure 23, bottes de verre 180, c'est de la merde. Torche. Histoire de fouiller un petit peu les lieux. Alors, ça je prends. Bah, ça me gratte le visage. Ah, regardez-moi ces merdes qui se... Ouh, qui se complaisent. Merde. Dans la fange. Et j'ai pris un saut. Mais sérieux, j'ai pris un saut? T'es en train de me dire que j'ai pris un saut? Il était là. Il est là. Saut, dégage. Voilà, t'es gentil.
Voilà à quel point je déteste ces vermines. Arme. Ouh, on va la recharger un petit peu. Oh. J'aime bien me la jouer discret comme ça. Tu te faufiles à droite à gauche. Dans des endroits lugubres. Ah, je retourne à bord de ciel. Ah, je suis peut-être en train d'arriver au fameux mot draconique. Bastion, normalement, voilà. Ok. Ok. Ça me gratte les yeux. Bonjour. Oh, puissance bastion. C'était quoi ça? J'ai vu un endroit où les textures ont foiré. Ok. Et du coup... Mais pourquoi tu me fais passer par là si c'est pas de ce côté? Mais bon sang, mais... Quelle piètre aventure. Ah d'accord, ok. My bad. C'est moi qui est complètement... Hein? J'ai lu urne, mais dans ma tête, ça a sonné urine. Bref. Alors, c'est par là, d'accord. Ouais. Ok. Ah, mais... En fait, au tout début, je suis passé par un endroit. Et après, je me suis dit, non, on va aller à l'autre endroit. Et après, je me suis dit, oh, bah non, finalement, on va prendre le premier endroit. Qui, en fait, à la base... Hein, vous avez compris. À la base, je prenais le bon endroit. Enfin, je prenais le bon chemin. Ça continue à... À la base, je prenais le bon chemin. Et après, je me suis dit, ah bah non, finalement, je prends le chemin numéro 2. Enfin, vous avez compris, quoi. Écoute, fais un effort. Cercueil vide. Cercueil vide. De toute façon, tous ces cercueils sont vides. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la prendre, celle-ci. Ça, c'est cadeau, ça. C'est par là, mais... Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? J'ai entendu un bruit bizarre. D'accord. Ok, et ici. Ok. Oh, ça m'emmerde, écoute, hein. Ah, d'accord, ok, bon. Je crois que je suis en train de faire de la merde, les enfants. C'est par où ils disent que c'est par là. Putain, ça m'emmerde, Adam. Attends. En plus, je suis à côté, là. C'est par là. Bon. Écoute. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oh, bah je l'avais pas vu celle-ci. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut fouiner. Dans ce genre de jeu. Bref. Ouais, je suis peut-être sur le chemin. Eh ? Quoi ? Putain, ne me dis pas que... non. Ok.
Je sais plus où j'en suis, en fait. Vois-tu ? Eh ben bon Dieu, j'espère que ce cri, ce touhoum, vaudra la peine de hein? Bon, écoute. Ah, celui-là, je l'ai pas fouillé, celui-là. Vois-tu? Ah, rien à foutre. Hop! Ah, ouh putain, mais je me suis fait mal, bon sang. Comment ça, mon arme, elle est... Ah d'accord. Pourquoi elle est pas verte, mon arme? Bon, bref. On s'en fout. Ah putain, mais... Paumé, on est d'accord, hein. Ah, mais oui, putain, là, ça mène à bord de ciel, et qu'en fait, que non, faut pas que j'aille à bord de ciel. Faut que... Gnagnagna. Oh, c'est quoi, ça? Par là, là. Genre, passer... Je sais pas. Putain, je te jure. Un arbre. C'est quoi ça, squelette? Pas un truc. Oh, bon. Oh, c'est qu'on se fait chier, hein, les copains, là. C'est. Parce que il y a un moment donné, là où il y a les trois, j'allais dire les trois coquillages, pour ceux qui ont la ref, bah voilà. Là où il y a les trois. Les trois manivelles, voilà, ici. Il me semble que j'étais arrivé par là, à la base. Et il me semble qu'il faut que j'y retourne. Mais pour ouvrir cet endroit de malheur... D'accord. Ah bah putain, je suis con, c'est ouvert. Bah voilà. Eh bah non, j'étais pas arrivé par là. J'étais arrivé par là-bas. Putain, mais le con, bordel. Ah, je sais, I know. Non. Ah si. Je sais. Ça y est, ça me revient. Voilà. Non. Oui. Ah putain. J'ai réussi. Les bougres. Merde. Oh là là. Oh, c'est de la merde, ça rejette. Ça, c'est de la merde aussi. Hop. Ok, j'arrive en haut. Il n'y a
arriver, hein. On va... je sais pas, je... En fait, je suis en train de retourner au début. Je... Oh, mais je suis complètement paumé. Putain, mais c'est quoi ces délires, là? Oh, putain, je sais. Attends. Ou pas. Mais merde, à la fin, là. Ah voilà, c'était là. C'était là. J'étais arrivé comme ça et je me suis dit, ah, je vais passer par là. Ou là. Et en fait, je vais passer par là, mais en fait, peut-être que fallait que je passe par là. Eh oui, et c'est... Hein? Bon, quelle merde à la fin. Mais quelle merde. Du coup, pour revenir à nos moutons. On va reprendre. Allez les enfants. Bah voilà la porte, la fameuse porte. En fait, j'en suis sûr, à la base, fallait que je passe par là. De base. Par l'enfer. Bien sûr. Putain, ça doit faire... Mais ça doit faire au moins... Mais 45 minutes que je suis en train de faire ça, quoi. Oh. Bonjour. Voilà. T'en as d'autres? Des amis? Comme toi? Ça je prends ça. Alors? Mais j'arrive au même endroit en fait. Oh putain, je vais tuer quelqu'un. Enfin, j'ai déjà tué quelqu'un mais... Alors? Donc, du coup je parie qu'il faut qu'on aille là. Et ici, il n'y avait pas moyen d'y aller. Enfin, je sais même pas si on est passé par là. Alors, bon, là, c'est bon, cette fois-ci. Putain, bah dis donc. Alors. Les gens brûlés ou pas? Ah oui, on y voit. Oh bah, cadavre brûlé, farine d'os. A votre avis, un. Ou oh, c'est quoi ça? Ah oui. A votre avis, 100 grammes de farine d'os d'humain, combien ça se vend sur le marché? Ok, bah du coup ça sert à quoi ça? Si je passe comme ça. Et là? Et alors? C'est pour voir si ça faisait des flèches enflammées. Non, j'ai déjà fouillé sur. Bon. C'est quoi ça? C'est un humain? Enfin, c'est un vampire. Ok, les enfants. Bah dis donc, c'est qu'il fait mal ce vampire. Oh. Tiens. Khmar. C'est de la merde. Hop. Non. Tu sais quoi? On va garder la torche. Parce que j'ai l'impression que là il y a des trucs à récupérer. Tout ça en ce. Et là tu vois. Comme ça là. Oh bah putain. Éloquence. Ok.
Ça augmente mes compétences. Ouh, du sang. Oh putain, ça commence à être très long. Je crois que je vais faire... je pense que je vais faire beaucoup de ces petites quêtes, histoire de m'améliorer en... Enfin, d'améliorer ma connaissance du langage draconique. Pour les 5 à 6 prochains épisodes, on verra. Et c'est tellement bien sûr. Attendez. Je vais faire un petit retour Windows pour voir une histoire de... Ouh, d'ivoire, 33%. Je vous demande deux petites minutes. Je vais brancher... Ouais, ça j'en ai plus besoin. Non, c'est juste, je vais brancher mon écran secondaire. Et comme vous le savez tous, mon écran secondaire est une vulgaire tablette tactile dotée d'une application qui permet de l'utiliser en écran secondaire. Et comme il restait que 33% à mon écran secondaire, j'ai décidé de le brancher hein, via port USB quelconque, USB 2 il me semble, à mon ordinateur. Ouais, j'ai appuyé sur échappe, non mais je suis même pas... Ah putain, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. On recentre, merci, bonsoir. On retourne sur Skyrim 1. Bon. J'en étais où, moi? J'en étais là. Ça, je l'ai lu, ouais. Ça m'a l'air très effroyable dans le coin. On va retourner sur un petit... Un petit arc. En mode furtif. Je crois qu'on peut partir des deux côtés comme ça, là. J'aime pas... J'aime pas ce genre de délire où on a le choix comme ça, à droite, gauche, droite, gauche. Allez, on va prendre la gauche. En tout cas, j'aime pas les choix. Ne faites jamais de choix, les enfants. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Attends, 3 pièces d'or, ça ne se refuse pas, bon sang. Ok, il va falloir que je monte. Ouais. Un petit coffre. Tempête de glace. Ça, je le connais pas. Ouh, c'est quoi ça? Magie plus 50 points, c'est de la merde. Tempête de glace. Livre. Livre de sort. Ça, je connais pas ça. Bingo. Un petit sort nous, un petit sort nous, ma petite dame. Et ça. Hop. Ça, je récupère. Et carrière. Et c'est qui est pédé là? Eh putain.
Ça fait 1h10 que je stream. Et j'ai même pas récupéré un mot draconique. Un tout, là, je sais pas quoi là. Leur délire là. Leur délire de pucelle. Alors. Bon. Il y a une porte ici. Il y a peut-être quelque chose à tuer, n'est rien. Bon. Et c'est quoi c'est... Et si je tire sur la corde, ça fait quelque chose? Bien sûr que non. Et sur cette petite corde alors? Non, bon. Mes flèches, bon, il y a. Alors, les petites pédales, les petites pucelles, les sauts, les petites pucelles. Alors, les petites queues, là, alors. Ah! Bonjour, monsieur. Je me crasse. Ah, parce que je le connais, lui. Je le connais, lui. Il est pas. Pas folichon, lui. Ok! Non mais finalement je retourne à Blancherive moi. À boulangerie. Bon allez. Alors qu'est-ce que j'ai de beau là? On va quand même le ragler un petit peu, déferlement. Froid mort. Non. On va prendre ça. Un petit soin. Souffle ardent. Et. Monsieur. Madame, je sais pas. Ah bah putain. Ça en aura mis du temps. Combat furie élémentaire. Terminé. Bon, fais voir ça là, fais voir ça, furie élémentaire. Et ton truc là, furie élémentaire. Et c'est la furie élémentaire. Tout me donne le rythme plus soutenu. Oh, c'est sympa. Déverrouiller R. Bah ouais, attends. J'ai beaucoup d'âmes. J'ai beaucoup d'âmes de dragon. Donc voilà quoi. On peut déverrouiller assez facilement. Attends, je suis arrivé à la fin, y a pas un petit coffre, un petit truc. Tu sais, un petit truc à se mettre sous la dent comme ça là, tu vois. Petit truc petite pierre, des septimes quoi, donnez-moi des septimes, bordel. Ah bah voilà. Putain. Il aura fallu chercher quoi. C'est putain des gantelets de fer, excuse-moi, mais. Faut arrêter à ce stade-là, faut arrêter de me donner des trucs genre gantelets de fer. Gantelet de fer, qu'est-ce que tu veux que je fasse de gantelet de fer? Cap, dur le vent. Merde, des gantelets. C'était en. Mon micro était en. Comment ça s'appelle? En muet. Et gantelet de fer. Attends, mais ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ici là? Pourquoi tu. Attends, fais voir. J'ai envie de tester un truc. Juste comme ça, là. Comment ça s'appelait, hein? Déferlement, clairvoyance. Non, c'est un truc. Ok. Attends. Cri. Oh, je l'avais enlevé. C'était impulsion. What? Non, c'était. Voilà, c'était histoire de tester, quoi. Je, comme ça. Bon. Bah, du coup, il va falloir que je fasse tout le. Ah, mais non, mais je suis con, moi. En fait, ils ont tout bien pensé, tu vas voir. Ils ont tout bien pensé, regarde. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Regarde.
Tout simplement, j'ai fini la quête, je suis là. Je peux retourner ici en me téléchargeant. Eh oui. Putain, j'ai l'impression que cette quête pour récupérer une un mot draconique a duré au moins une bonne heure, hein, je dirais. Le haut, bon, niveau 38 quand même. Hein. Et quelle heure? Bon, ils sont debout, les cons. Regarde, lui, je vais lui parler. Attention, ça va faire un gros paix. Voilà. C'est lui. Je dois parler. Formation est sur la bonne voie, enfant de oui. Dragon. Pourquoi les dragons sont des... Nous avons ressenti le souffle d'un mot. Donnez-moi votre carte et je vous montrerai où y trouver l'écho. Allez, ciao. Respirez et concentrez-vous. Oui, tout ça, tout ça. Alors, il est où cette fois-ci? Il est là. À tous les coups, je dois rentrer par là et aller jusqu'ici. À tous les coups. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de FPS. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une sacrée chute de FPS. Pourquoi? Attends. Non, parce que là... Bon. J'ai l'impression que ça râle dehors. Il y a des gens qui gueulent. Comme d'hab. Comme un mardi soir. Excusez-moi, je regarde juste si il y a une baisse de FPS. Non, bah je sais pas, il y a une petite chute de FPS. Comme ça. Pour le fun. Oh. Bah non. Ah putain, mais je suis là. Ah ouais, non, j'ai mal choisi mon truc. Putain, mais ouais, mais j'ai une chute de FPS. Mais comment ça se fait? D'habitude... Pourtant, j'ai lancé Streamlabs en tant qu'administrateur. Je devrais pas avoir de chute de FPS pour ça. Attends. Ok. Hein? Oh putain, je dois faire le tour dans l'autre sens. Là, attends, je suis en train d'aller vers l'est. Ok, je vais vers l'est. Sur un certain nombre de... de mettre, disons. Qu'est-ce que j'ai? Ah bon, bon. J'avais envie de tester des trucs. Je teste des trucs, écoute. J'aime pas quand il fait nuit. Qu'est-ce que j'aime pas quand il fait nuit, bon sang? Ah, c'est mieux comme ça. Ah, putain, faut faire tout le tour. Bon, je vous préviens, hein, s'il y a une petite chute de FPS ou que ça bug ou que quoi que ce soit, j'arrête le jeu, hein, j'arrête le stream. J'ai toujours un œil rivé sur mon stream, là. Sur mon Streamlabs. Wow, en termes de FPS, j'ai l'impression que ça rame un peu, hein. Oui. Je viens de voir ça. Ça rame fichtrement, pas mal. Et je n'en sais pourquoi. Ah, ça, je crois que c'est une tombe de.
Comment ça s'appelle ? Une tente de... De truc. De dragon. Ah oh ouais, non. Là, sérieusement, ça... Mais non. Mon dieu, que c'est laid. Que c'est laid, regardez. Ouais, bref. Après, tu me diras, les graphismes du jeu ne sont pas au maximum. Et ils sont loin d'être au maximum. Oh, je suis sur la bonne voie, là. Hein ? Oh, ta... Grand-mère. Ouais. Oh, fallait que je vérifie quelque chose. Attends, faut que je vérifie quelque chose. Parce que si je... Oh, putain, mais c'est vrai, 304 sur 365. Ah, merde. Putain, il va falloir que j'aille vendre des trucs, en fait. Avant d'aller faire cette quête de merde. Ah non, c'est bon, je suis pas devenu une fiotte de vampire. Toujours regarder les yeux quand on se fait taper par un vampire. S'ils sont rouges, c'est qu'on est devenu une fiotte. Bon, on va vendre des trucs avant. On va vendre des trucs parce que on est blindax en termes de... Hein, bon. En termes d'inventaire. Bonjour. Alors. Vous aimez l'arc, hein ? Oui, tout ça. J'aime l'arc, j'aime l'épée, j'aime le bouclier. Et les armures. Victoria Vici, la cousine de l'empereur, se marie bientôt. Oula. La réception sera ouverte au public. Tous les habitants de Solitude pourront y assister. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez-moi ça en termes de FPS. Bonjour. Vous pouvez me faire apparaître un bon lit douillet ? Ah là, je suis sur un problème là. Ah, ça y est. Bérand, regardez donc. Oui, tout ça. Arme en termes de... Regardez. Les... comment dire ? Les objets, quand je les fais défiler... S'ils mettent un certain nombre de temps à apparaître, c'est qu'il y a un problème sur le jeu. Voilà, c'est tout. Ça, je prends. Je prends pas. Tenue, potion, bien sûr, potion. Ok. Crochet, allez. Quoi ? Moins 1 ? Du coup, qu'est-ce que j'ai à vendre ? Alors déjà, dans les tenues, parce que c'est ce qui pèse le plus lourd. 12. Bah, j'ai plus 50. Fais voir mon casque, là. Je suis à 80. Après, ils sont 20% plus intéressants. Et le camp, c'est régénération de magie 5 points. Bon, écoute, ça vire, hein. Ouais, t'es bien gentil, mais... Voilà. C'est de la merde. Oh, non, 5. Bon, on s'en fout. 5 de poids, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai de beau là ? Oh putain, en termes de gemme spirituelle, je veux plus. Arme, je crois que j'ai de la merde. J'ai des trucs. Enfin, j'ai de la merde. Mais depuis quand j'ai une dague, moi ? Bah tiens, prends la dague. Mais... Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Les créatures, on s'en fout. Tenue, ouais. Ok. Potion, fais voir, qu'est-ce que j'ai ? Parce que j'ai pas mal de merde. Tiens, tu prends ça. Ça, tu prends. Poison, tu prends. Allez, c'est bon, ça devrait aller là. Fais voir, je suis à combien ? 272. Oula ! Chute de FPS. Moi, je croyais que les aventures.
Hey, je croyais que les aventuriers, c'était plus coriace que ça, mes couilles sur la commode, oh là là. Est-ce que tu as déjà bouffé deux couilles d'homme? Non, c'était pas ça la phrase. Bon, les corneaux. Les divins m'ont sauvé de la rue. Ils pourront vous sauver vous aussi dans vos épreuves. Bah, c'est bon, je rigolais. Oh là là, tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Attends, Pascal me disait quoi en fait, elle? Oula! Pourquoi vous ça me fait bien ça? Me donner un septime ou deux? Oui. Défense de glandouiller. Que les divins vous. Ok, elle sait rien. Bon, les corneaux, les twitchos, les twitchas, tout ça. J'ai entendu parler de vous et de vos belles paroles. Blablabla. On peut aller là-haut? Attends, est-ce qu'on peut aller là-haut? Parce qu'il doit avoir une sacrée vue de là-haut. Eh? Est-ce qu'on peut aller là-haut, là? Faire le tour? Putain, mais pourquoi ça fait des chutes comme ça de... Ah, ça m'emmerde. Bon. Je crois que j'y suis là-haut que je voulais aller... Hein? Bon. C'est par là? Non, bon. Avec la belle vue, tout ça. C'est ici que je veux aller. Bref, on s'en fout. Bon, les corneaux, on va en rester là. Ah, je regarde. Ouais, on va en rester là pour cette fois-ci. Avec une multitude de chutes de FPS. Désolé pour ce stream de qualité médiocre vers la fin, même vers le début et le milieu. Et je vous souhaite déjà, followez-moi. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est une VOD. Même quand je bouge pas, il y a des chutes de FPS. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Oula, mais qu'est-ce qui se passe avec ces oiseaux? Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche des notifications. Et followez-moi. Suivez-moi de part et d'autre d'Internet. Sous le pseudonyme de Marvin Schrödinger. Marvin Schrödinger. Schrödinger, S-C-H-R-O-D-I-N-G-E-R. Comme le grand physicien Erwin Schrödinger. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, vie. Pourquoi pas? Une excellente vie. À toutes et à tous. J'arrive plus à parler. C'est peut-être parce que j'ai un peu trop bu de mon breuvage. Je me suis un peu trop délecté de mon breuvage. En tout cas, bah portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. J'ai du mal à dire au revoir, moi, comme ça. Là. Allez, salut les corneaux. Les twitchos, les twitchas. Allez, ciao.